13 de TV 130 Alpha concernant le véhicule type Dacia Sandero. Le véhicule nous a été déclaré volé depuis 3 jours. TV 130 Alpha de TN13, on a retrouvé la Dacia abandonnée et accidentée rue Breteuil. Je répète, rue Breteuil, en bas de Notre-Dame-de-la-Garde, aucun individu aux alentours. Salut à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve en police nationale sur la brigade du centre-ville de Marseille. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, donc on a fait une petite nouvelle intro, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc aujourd'hui on va être donc en patrouille police nationale, donc avec mes deux collègues là, et nous aurons encore pour une fois un autre nouveau véhicule. Donc là, donc je vais faire des petites présentations. Donc là, nous sommes avec la tenue du Tigre Royal. Le gilet pare-balles est de Razor et une texture de moi. Les calaouts seront Inter5. Et la voiture, hop, on va aller la récupérer. Donc là, je laisse mes collègues là, ils vont m'attendre. Donc ça va être une petite Octavia. Donc c'est le... On l'a déjà utilisé cette voiture, mais sauf que là, du coup, elle est en non-ELS. D'habitude, elle était en ELS, donc là, c'est juste la rampe en fait qui change. Hop, d'ailleurs, je vais m'enlever le gyro secondaire, qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Hop, voilà, parfait. Ok, donc du coup, j'espère que vous allez tous très bien. Pour moi, ça va nickel. Donc dites-moi en commentaire si la nouvelle intro Police Nationale vous plaît. Moi je trouve qu'elle est quand même pas mal, il y a de l'action, ça change pas mal par rapport à l'ancienne. Donc petit à petit je vais refaire toutes les intros, donc GN, pompier, tout ça, SAMU. Donc ça prend pas mal de temps. Hein. Allez, donc du coup je vais aller récupérer mon collègue, enfin mes collègues, pardon. Allez les gars, c'est parti en petite patrouille. Allez, go. Ok, donc là il est 13h03. Hop. Donc du coup vous avez été beaucoup à me dire en commentaire de laisser comme ça en fait le temps là qui défile lentement, ça fait plus réaliste. Je suis d'accord avec vous. Allez, go. Hop. Ok. Alors donc du coup qu'est-ce qu'on va avoir comme intervention aujourd'hui? Oula, le bus là.
Le petit square là, avec le skatepark à l'intérieur. Bon, allez, moi je passe. Donc du coup, qu'est-ce qui va nous attendre aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir de l'action? Quoi? Ah mince, c'est vert. Hop. Aussi, si vous avez des idées de vidéos, donc dites-les en commentaire. Comme ça, ben, on regardera si c'est possible de les faire. Si on peut, ben, on le fera. Hein. Allez. On va se mettre sur la voie de droite. Ah mince, ouais, bon, du coup c'est pas grave. TV 130 de TN 76, la société de l'autoroute nous a appelé pour un cycliste sur l'autoroute au niveau de la 35, proche de l'aire du service de Ogonisbourg. C'est pas pour nous, du coup là c'est en zone gendarmerie, donc là nous ça nous fait trop loin, donc on va pas y aller. Hein. Et du coup je vais me remettre derrière le 4x4 là. Oula, attention. Ok. Pour l'instant, la patrouille commence calme. Plus calme que dans l'intro, en tout cas. Comment il est garé, lui? Et là, du coup, je vous informe que il va y avoir d'autres nouveautés aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Gardez un petit peu de surprise, un petit peu pour la fin. TN67 de TV130, une caméra de son a détecté une attaque au couteau dans une rue annexe. Vous aurez insisté. Allez, bah, du coup, on y va. Attaque au couteau, comme vous avez pu l'entendre. Alors. Ah oui, d'accord. Il est là. Hey, police. Hey, vite mon taser. Je suis trop loin. Hey, le petit sport du matin là. Il va planter. Hey, tu te relèves là, tu te mets au sol là. De suite. Ils sont plutôt oubliés là, je le récupère. Ah, mais il y a un skatepark là aussi. Fin d'intervention de TV 130, reprise de vacation. Ok, donc du coup, je vais faire appel au BMPM là pour l'évacuer vu qu'il a été blessé par balle. On va faire une petite palpation avant. Ok, donc ouais, il avait une arme sur lui en plus du couteau. Alors, est-ce qu'il était recherché, ce monsieur? Non. Hop. Allez. Non, je vais faire le rapport d'arrestation. Ouais, il était vraiment pas connu, en plus. Hein. Alors, donc, du coup... haute possession, arme mortelle... le couteau aussi. C'est peut-être pareil. Du coup, arme mortelle. Ouais. Donc, du coup, tentative de meurtre. Du coup, sur la victime. Heureusement, il lui a rien fait. Menace avec arme.
Le couteau, c'est quand même une arme. Crime violent, qu'est-ce qu'il y a là? Oui. Du coup, c'est bon, on laisse comme ça. Donc le monsieur écope de 69 696 et 33 ans et 8 mois de prison. Oula, ouais, lui. Allez. Donc le patrouille va venir vous récupérer, monsieur. Ah, encore le vélo sur l'autoroute. Ils l'ont toujours pas récupéré. J'adore les deux tatouages là que j'ai sur le bras et dans le cou. Oh, allez, et un poteau, un. Allez, c'est bon, tu le laisses. Allez, voilà. Parfait. Allez, on va vite retourner à notre véhicule. Je sais pas s'il y a toujours la victime, je pense pas. Allez, non, il n'y a plus la victime. Allez, du coup, retour en patrouille. Allez, c'est parti, du coup. On va continuer notre patrouille tout droit. Il y a quand même pas mal de circulation là. Il est quand même franchement beau le 3008 là. Bon, allez, moi je passe hein, parce que là. On n'est pas vraiment d'ici, nous. Hein. On a du travail qui nous attend. Allez. On va aller faire un petit tour du côté du petit parc, là. De connaître la personne, il lui a klaxonné. Hop. Ouais, je vais passer là. Oula. En fait, je crois que je suis pas du tout dans la bonne zone là pour aller au parc. Ah non, c'est plus bas. Ah, j'y voyais plus en haut. Allez, du coup, on va aller voir là-bas. Les gens ont l'air d'être calmes aujourd'hui. Pas trop de braquage, tout ça, nickel. Ils doivent se dire avec la nouvelle intro, oulala, ils vont être en forme. On va rester tranquille pour aujourd'hui. Allez, hop là. Donc là, il est 13h14 actuellement. Le 130 de TN67, vous allez vous transporter au centre-ville pour un possible trafic de stupéfiants. Un individu porte une tapis de lettres à stupéfiants. Allez, du coup, trafic de stup. On va aller voir ça. 1 km 50. Allez, attention là, laissez la place. Ok. Donc là, du coup, c'est tout droit. On va y aller mollo là sur le deux-ton là, parce qu'on arrive dans le secteur. Là, on est à 700 mètres.
Allez, je vais couper les bleus là. On va essayer déjà de faire un petit repérage. Voir s'il y a des guetteurs là, à chaque rue. Ici, il n'y a personne. Je vais essayer de me mettre au plus loin pour pas que se faire vraiment repérer. Ouais, donc ouais, il y a bien l'échange. Ils sont deux. Allez, on va essayer de faire vite. Là, on va se remettre dans l'autre rue. J'espère que ouais, on n'est pas trop grillé là. Hop, allez, je vais mettre les warnings comme ça. Ah bah du coup ils s'éteignent. Bon les gars. Du coup là il y a un échange, là ils sont deux. On va essayer d'aller là-bas, mais je pense que ça va partir à la courette. Du coup on se tient prêt. Oh putain, allez, ça y est. Ils sont là, ils arrivent, ils arrivent. Allez, toi c'est bon. S, police, arrête, bouge pas. Hey, lâche ton arme, lâche ton arme. Dépêche-toi, lâche ton arme. Allez, parfait. De vacation. Mets-toi à genoux, les mains sur la tête. Allez, nickel. Ok, donc nickel, les deux personnes ont pu être interpellées. Ouais, bizarre qu'ils sont pas partis l'autre côté, là. Il n'y avait pas de patrouille, il n'y avait rien là-bas. Bon, on va rester là vers le véhicule. Je vais aller chercher l'autre suspect. Donc lui, je pense que c'est le vendeur. Hop. Donc du coup, collègue, tu vas me faire une palpation. Je reviens dans deux secondes. Allez, et toi? Hop, tu viens par là. Donc ouais, il avait une glace de faux billets sur lui. Et de la... Oula, attention. Qu'est-ce qu'il fait, lui? S'il veut abîmer sa bagnole, là, c'est son souci. Hein. Hop, allez, on va les mettre à l'écart, là, pas qu'ils puissent communiquer entre eux. Alors. Allez, je vais m'occuper de la palpation. Ok, donc lui il était armé aussi. Et c'est tout. Ok. Allez, donc lui, est-ce qu'il est connu des services? Bon, lui là-bas il est en train de me prendre le chou. Oula. Allez, sort du véhicule là. Putain, il défonce tout son véhicule là. T'es alcoolisé toi? Non, 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 non. Allez, hop. On passe les bracelets. Ah bah voilà. Il est alcoolisé. Donc tout s'explique. Allez, bah du coup, on a trois suspects. Hop là. Eh ben, grosse intervention là. Hop, palpation. Ok, donc lui il a rien. Ok, donc déjà je vais m'occuper des deux zozos là.
Hop, donc John, je sais pas quoi, donc c'est celui qui est devant moi, enfin de dos. John Leblanc. Alors, donc lui, ça serait l'acheteur. Donc. Non, il n'avait pas de drogue sur lui. Il avait par contre une arme. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose concernant l'achat de drogue? Sinon, ça va être quelque chose qu'il va falloir que je rajoute. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non. Ouais, bah du coup, va falloir que j'y rajoute. Ok, donc du coup c'est bon, là on lui rajoutera donc une amende supplémentaire là, pour l'achat de drogue. Hop, donc du coup on va rester comme ça. Ok, donc une amende de 945. Hop, ensuite. Le prochain. Ouais, non, donc c'est lui qu'il me faut. Donc lui, ça serait le vendeur. Alors, donc lui, il avait une arme et de la poudre de perlimpinpin. Non, de la poudre blanche. Ensuite, il nous a fait un délit de fuite. Peut-être plus un refus d'obtempérer. Ouais, donc il ne nous a pas cherché à nous menacer, donc on va pas lui mettre. Il est où le. Ah, c'est là. Résiste à toute tentative d'arrestation. Et refus d'obtempérer. Ouais, ça c'est bon. Allez, bah du coup, c'est tout bon. Le tribunal. Donc, monsieur écope de 51 068 euros d'amende, 4 ans et 9 mois de prison. Allez, donc ça, c'est good. Ensuite, lui. Je vais vous faire un monsieur un éthylotest. Allez-y, donc soufflez là-dedans. Allez-y, allez-y. Thanks. Allez, super, merci monsieur. Ah oui monsieur, vous faites pas de dans le bas de gamme là, vous avez bu quoi là? Est-ce que je peux lui de me parler? Quand est-ce que vous avez bu votre dernier verre? Hier? Ouais. Ça devait pas être joli, hein. Je pense que c'est surtout. Combien de verres vous avez bu, monsieur? Une bouteille de vodka? Units reporting a suspect resisting arrest Voilà, une poursuite. In Strawberry. Copy that dispatch. Animals on the loose. Allez, 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 on se dépêche. Assistance required in Pillbox Hill. Allez. Hop, les collègues vont se débrouiller là pour arrêter tout ce monde. Mince. Ok, donc là du coup on part à la recherche du suspect, là, de la poursuite.
Donc il y a un hélico et une patrouille sur le secteur. Donc là apparemment on aurait perdu le suspect. Je vais voir si je peux rappeler deux autres patrouilles. Donc on retrouve le véhicule là. Ah ça y est. Allez, du coup c'est parti, là l'hélico va vite sur place. Par contre, j'ai pu prendre qu'un collègue, je sais pas pourquoi, mais l'autre collègue ne veut pas monter. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Ok. Allez, là, il va tomber pile devant nous. Ok, donc là, on poursuit une Twingo. Allez. Je pense qu'on devrait pas avoir trop de mal à l'arrêter. Là, c'est pas vraiment une voiture de course. Allez, allez, là on la chope, là faut qu'on la chope. Plus j'ai plus personne derrière moi. Allez, je redemande deux patrouilles supplémentaires. Copy, this is Adam 6, on our way. Air support here, suspect is southbound. Allez. Il est rentré dans le train, du coup là, je pense qu'on va pouvoir le choper. Hop, mon arme. Allez, sortez du véhicule là, les mains sur la tête. Allez, parfait ça. Allez, on interpelle. Allez. Il y a un train là qui arrive. Par précaution, je vais enlever le berlingot là. Ok. Allez, donc on va vite faire ça là. Allez hop, je fais la palpation. Ok, donc il a rien sur lui. Donc pour quelle raison il a pris la fuite, je ne sais pas. Allez, je demande une dépanneuse. Ah d'accord, il était recherché le monsieur. Ok, donc c'est ça. Pour possession de substances illicites. Donc là, il n'avait rien sur lui. Alors, donc, délit de fuite. Ok, donc j'ai mis refus d'obtempérer, possession de substances illicites et délit de fuite. Donc ce qui va nous donner 46 555 euros d'amende, 3 ans et 7 mois de prison. Allez, c'est parfait là. On embarque tout ça là, vite, vite, vite. On quitte la zone. Oula, qu'est-ce qui lui arrive lui? Allez, tout le monde quitte la zone là. Ok, donc mon collègue. Allez, viens vite. Oula, dépêche. Waouh. Ah, ça a failli, là.
Punaise. J'ai failli risquer ma vie là juste pour sauver un collègue. Allez. Je pars vite de cette zone là. Eh ben, quel bazar. Bon, je vais juste repartir un petit peu là dans les zones un peu quartier chaud. Ah ouais, là le train c'était juste un silence, là, le collègue là se leur a pris en pleine face. Allez, on va passer dans les cités là. On va avec la cathédrale au loin là. À toutes les unités, une personne se fait tirer dessus au mortier dans votre zone. L'agresseur serait vêtu d'habits noirs. Oula oula, ça c'est pour nous ça. J'espère juste que j'ai bien mon LBD. Oula, en plus ça se passe devant la police municipale. Eh, hey, c'est bon, j'ai mon LBD. Allez, allez. Hands up, cream pie, right now. Ok. Eh ben. Hop. Je fais vite appel à un VSAV. Eh ben, là, ouais, c'était chaud, là. Il y a un véhicule, je crois, qui avait été touché par un tir. On reste là, on sécurise la zone. Allez, les pompiers qui arrivent. Allez, nickel, ils sont là. Let's move, con prisas. Oh man, this is so good. Allez. On attend de voir ce que vont dire les pompiers. Bon, il est Delta. Another DOA. Allez, je vais récupérer l'arme pour l'enquête. Can't wait till my shift is over. Ok, donc je vais demander l'identification criminelle. Je vais regarder, je vais fouiller le corps là pour essayer de trouver une identité. Il n'avait rien de spécial sur lui. TV 130 de TM67, vous allez vous transporter au 4 rue des Noyers pour procéder à une perquisition. L'identité de la personne vous sera communiquée ultérieurement. Ah, bon bah du coup là, on aura une autre intervention, une perquisition à domicile là pour une personne qui serait recherchée pour arme à feu. Enfin pour détention d'armes à feu. Donc on va aller voir ça. Allez. Là le collègue monte toujours à l'arrière parce que du coup j'ai toujours mon collègue, l'autre, celui qui montait à l'avant, qui reste bloqué dans la rue plus loin là, à l'autre intervention, mais je sais pas pourquoi il veut pas monter.
Pourtant, il montait bien au début. Non, tu veux pas monter? Bon, bah reste, hein. Il doit être fatigué. Ok, allez. Allez, donc on est à 800 mètres, du coup on part sur une perquisition à domicile là. Du coup je ne sais pas si on va être plusieurs patrouilles à intervenir là. Ouais, début de vidéo c'était assez calme, mais là fin de vidéo ça bouge un petit peu plus. Ah ouais, c'est dans les locaux là, là-dedans. Ok. Ok, donc je pense qu'il va falloir passer par là. Allez, je vais rester là. Allez, ferme bien ta porte. Ok. Allez, on va aller voir ça. Non, je pense qu'on doit directement aller voir notre contact. Allez. Ok, donc on doit rechercher l'appartement, enfin fouiller l'appartement. Ok, donc là c'est tout fermé. Seul petit détail, c'est pas vraiment un appartement. Ah, donc là ça s'ouvre. Oula, il y a une arme au sol. Hands up in the air, now! Allez monsieur, mettez les mains derrière la tête, mettez-vous à genoux là. Ouais, je récupère l'arme vite. Hop, 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 hop. Allez, au sol, j'ai dit. Allez, mettez-vous au sol. Pas de geste brusque. Allez, on interpelle ça. Parfait. Hop, allez, je vais l'écarter de l'arme parce qu'en fait j'arrive pas à l'attraper. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Non, même pas. Bon. Pourquoi ça ne veut pas l'attraper? Je ne sais pas. Allez, monsieur, venez par là, là. On va faire un petit contrôle. Collègue. Là, tu me coinces un petit peu, là, en fait. Allez, vas-y. Voilà. Jesus Christ. Allez. On va aller vers le véhicule. Hop. Il doit se dire, putain merde, il se fait embarquer par la police. Allez, donc 13h40, là on interpelle un homme là qui avait une arme juste à côté de lui. Alors, hop, une palpation.
Ok, donc il a rien. Recherche d'identité. Bah alors, on a rien. Comment ça se fait que là, quoi, on peut rien avoir sur lui? C'est chelou, ça. Bon, je pense que c'est la radio là qui doit plus être en contact avec le central. Hein. Donc, du coup, on a fait tout ça. Monsieur, vous habitez dans les environs là? Non. Est-ce que vous êtes recherché? Dans d'autres régions? Oui, sûrement. Ok. Ouais, donc il n'y a rien d'autre à demander. Ok, donc la palpation l'a faite, il n'y avait rien. Donc monsieur, vous vous appelez comment? Que j'essaye de vous retrouver sur... Ouais, c'est bon, là. Allez, sinon du coup on va faire le rapport. Donc il n'était pas connu des services de police. Donc du coup... qu'est-ce qu'on va lui mettre là? En quelque sorte, on va lui mettre possession d'armes mortelles, parce que ouais, il était quand même avec une arme juste à côté de lui. Puis voilà. Hop, bon, je pense que ça va pas lui faire grand chose. Donc une amende de 774 € et pas de prison. Allez, vous allez quand même être embarqué au poste de police. Assistance required in Rockford Hills. Hop. Elle est où la patrouille? Ah, elle est dans l'autre rue, elle va arriver par là en fait. Ok, donc en attendant que la patrouille arrive là, pour nous ça va être la fin de cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Hop, allez nickel, le collègue arrive là. Pensez aussi à activer la petite cloche sur YouTube pour recevoir toutes les notifications YouTube. Rejoignez. Bon, bah du coup, ça crache en fin de vidéo. Donc malheureusement, le suspect n'a pas pu être embarqué. Donc j'étais en train de dire, pensez à rejoindre aussi notre serveur Discord. Donc le lien sera dans la description. Et sur ce, bon bah, on se laisse là-dessus, là, sur ce crash, malheureusement. C'était bien parti, là, une bonne vidéo sans crash. Allez, donc du coup, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !